sur Cocotte TV aujourd'hui, une nouvelle présentation de vidéo qui porte sur un SSD de nouveau, le tout nouveau M3 Pro de Plextor, un SSD SATA 3, en plus Toggle MLC 24 nanomètres en provenance de chez Toshiba, le tout avec un contrôleur Marvel et 256 MO de mémoire cache en DDR3. On découvre tout de suite ce modèle qui va arriver très prochainement sur le marché français aux alentours des... On va donner, allez, le tarif probablement indicatif, qui ne sera pas du tout le même que celui qu'on retrouvera dans notre comparateur de prix. On va dire au tarif de 200 €. Donc certes, certains vont tout de suite crier au scandale, mais ce n'est qu'à titre indicatif que nous donnons ce tarif. Ce SSD arrive dans une belle petite boîte aux couleurs de la marque. Ça brille, c'est plutôt sympathique. Et vous allez voir que niveau bundle, on est plutôt gâté. Avec tout d'abord un adaptateur 2,5 pouces vers 3,5 pouces, la visserie complète pour le SSD et l'adaptateur, une petite poche qui cache la garantie, la notice d'utilisation et surtout le logiciel Acronis TrueImage qui vous permettra de faire une copie complète de votre HDD vers le SSD. Enfin, nous avons le SSD en lui-même. SSD qui loge dans un sarcophage en aluminium qui propose une épaisseur de seulement 7 mm, ce qui est plutôt fin, bien sûr destination pour les ultrabooks. Ici, on trouve les connecteurs SATA pour les données, SATA pour le power. Comme toujours, on va démonter ce petit SSD. On va donc sortir notre petit tournevis cruciforme. On va zoomer un petit peu sur l'objet. On a déjà fait sauter la garantie. On s'excuse auprès de Plextor. Donc on retire nos deux premières petites vis. Ensuite, on ouvre. On découvre des pattes thermiques qui sont donc en contact avec les puces mémoire, mais aussi la mémoire cache. On retire les quatre autres vis, on vous laisse un petit écran blanc quelques secondes. Nous voilà donc en face du PCB. PCB qui est donc assez classique et vert, qui totalise ici 8 puces Toggle MLC 24 nanomètres de type synchrone qui proviennent de chez Toshiba, des puces qui totalisent 16 Go, le tout pour 128 Go d'espace disque. On a ici un petit module 256 MO DDR3 en INX qui fera office de mémoire cache. Et enfin, de l'autre côté, on trouve le contrôleur Marvel qui porte la référence 88SS9174-BKK2 qui permettra donc à ce SSD de délivrer plutôt des bonnes performances. Au niveau des performances, on parle de 500. Alors, on reprend la boîte pour être bien sûr et ne pas se tromper. Modèle 128 Go, 135 hémosecondes en lecture en séquentielle, 350 hémosecondes en écriture séquentielle et en IOPS. Écriture 4K, il est annoncé pour 69 000 IOPS. On a déjà réalisé les tests, on peut déjà vous dire que le SSD marche plutôt bien, qu'il offre surtout des très bonnes performances sur les données incompressibles. On vous donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour découvrir ce test complet. Sur ce, on vous dit à bientôt.